Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Studio Live Session sur Polynésie Première. Je suis ravie de vous retrouver pour cet hebdomadaire. On va commencer tout de suite avec le premier artiste, c'est parti. Je suis maintenant en compagnie de Jimmy. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, tu nous as fait une prestation très jolie. Qu'est-ce que tu nous as chanté? Une chanson du groupe culte U2, donc With or Without You. J'ai eu que cette chanson en tête. C'est la première qui t'est passée par la tête. Voilà, et c'est celle que ma madame veut que je chante. Donc... Ah, bah c'est un petit clin d'œil pour ta madame alors. Voilà. On a pu te voir dans la saison 1, tu nous as fait une compo. Oui, une composition que j'ai écrite en 2009. Pourquoi ne pas avoir choisi de refaire une compo cette fois-ci? Du tout, c'est un morceau que j'aime, donc moi je voulais faire plaisir à ma femme et ça m'a fait plaisir de le rechanter encore une fois. Moi. Et ça nous a fait plaisir aussi, Jimmy. Super, merci. On va un petit peu parler de toi maintenant. Oui. Quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi je suis un petit vieux, j'ai 38 ans. Petit vieux? Et je travaille dans un hôtel en tant que chef de réception et je dirige un peu l'équipe de la réception. Et voilà. Donc le chant pour toi, le chant, la guitare, ça reste une passion, la musique? Une passion, mais je compte m'investir dedans courant de l'année prochaine. Un petit projet perso avec tes compos Avec toutes mes compos, des compos que je n'ai pas encore chantées. Certains de ces compos, je les ai déjà interprétés en live ou durant la première session de Studio Live Session. En tout cas, on a hâte d'entendre tes prochaines chansons et on va écouter tout de suite ta nouvelle prestation. Pas de soucis. Allez, c'est parti, on écoute Jimmy qui nous chante With or Without You. Slide of hand and twist of fate on a bed of nails, she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Storm, we reached the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you, with or without you, with or without you. I can't leave. Tight, my body bruised, she's got me left with nothing to win and nothing left to lose, with or without you.
with or without you. With or without you. Je suis maintenant avec Ahura. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on a pu voir ta prestation. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Qu'est-ce que tu nous as interprété? J'ai interprété Dit Ataharani. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Parce que j'aime bien et c'est local. Voilà. Tu la trouves belle, tu aimes le sens des paroles. Oui. Alors, quel âge tu as, Ahura? J'ai 13 ans. 13 ans, donc tu vas à l'école? Qu'est-ce que tu... Oui, je vais au collège. Au collège? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, j'aimerais être une chanteuse. Chanteuse professionnelle? Oui. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à faire Studio Live Session? Ce sont mes amis. Ben, quand j'ai chanté, ils me disaient tout le temps d'aller à Studio Live Session. Est-ce que tu as un rêve? Ouais, c'est d'être chanteuse, réussir. De réussir. Ahura, écoute, tu as fait une très très jolie prestation tout en douceur cette semaine. Ce que je te propose, c'est de la revoir ensemble. Tu es d'accord? Ok. Allez, on écoute Ahura. C'est parti. Aroha mai, ia'u.
Je suis maintenant en compagnie de Hilton. Salut. Salut. Cette semaine, on a pu voir ta prestation. Franchement, c'était une prestation super sympa. Merci. Qu'est-ce que tu nous as chanté? Alors, c'est une chanson de Common Kings qui s'intitule « Alcoolique ». Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau? Je sais pas, je suis arrivée comme ça et bon, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que tu es compositeur aussi? Oui, j'ai composé à peu près une trentaine de musiques, mais bon, passe pas encore. Tu aurais pas voulu nous faire un de tes morceaux cette semaine? Pour l'instant, non. Bon, j'espère qu'on pourra les écouter très prochainement. J'espère aussi. On va parler maintenant un petit peu de toi. Quel âge as-tu? J'ai 34 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignant en primaire. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être enseignant ou t'aurais préféré peut-être te porter sur la musique? J'aurais voulu être un artiste. Voilà. Mais tu l'es. À une échelle, plus élevée, on va dire. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la musique? Une vingtaine d'années. T'as chanté et t'as commencé à jouer en même temps? C'est ça. En tout cas, c'est super, ça nous a permis de te rencontrer et de voir ta magnifique prestation. Merci. On va la revoir ensemble, tu es d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Chaser to my crown royal, body like a cold bottle, and with every dream I can't help but think I smooth you go down, yeah. Baby girl, I love your flavor, you're the rock star after that Jaeger. Sudden comfort when I need to be hailed, so in love with you girl, 'cause I'm so drunk off your love, girl, I'm buzzing. And I can't get enough of your loving, sipping you down, girl, I love it, yeah, yeah, yeah. Your reason I'm an alcoholic. You're the juice that makes my knees weak, my Grey Goose, baby, you complete the mixed drink. My Patron, I'm taking shots of you. So into you, you're my Malibu. My passion for you, like my Alizé. Baby, it turns blue when you go away. So in love with you, girl, so thirsty. Hey, 'cause I'm so drunk of your love, girl, I'm buzzing. And I can't get enough of your loving, sipping you down, girl, I love it, yeah, yeah, yeah. The reason I'm an alcoholic, you're the reason I'm an alcoholic. Your love is the only love I'm tasting, 'cause baby girl, you're so intoxicating. So I'ma keep sipping on your love, girl, I've never been so drunk. Drunk off your love, girl, I'm buzzing. And I can't get enough of your loving, sipping you down, girl, I love it, yeah, yeah, yeah. Reason I'm an alcoholic, you're the reason I'm an alcoholic. I'm an alcoholic. The reason I'm an alcoholic. Je suis maintenant en compagnie de Camélia. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on a pu voir ta prestation. Personnellement, c'est une prestation que j'ai adorée. Tu as une voix absolument magnifique. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Je sais qu'on t'a vu dans la saison 2. Oui, voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu aies envie de revenir dans la saison 3? Les amis, les fans, enfin, je ne les connais pas vraiment, mais bon, ils m'ont poussé à revenir et donc j'ai accepté. Donc toute ta famille a vu alors ta prestation dans la saison 2, oui, ils ont tous apprécié? Oui, beaucoup même. Même des gens que je ne connaissais pas dans la ville, ils m'arrêtaient. Ah, tu chantes bien, ok, merci, voilà, mais je ne le connais pas, mais bon, c'est bien, c'est gentil de leur part. Quel âge tu as? 19 ans. 19 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Étudiante. Étudiante en quoi? En éco-gestion. Donc le concept de l'émission Sud Live, t'avais beaucoup apprécié la première fois. Cette fois-ci, tu nous as interprété une chanson de Jessie J. Ouais. Est-ce que
que tu peux nous en parler? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette chanson? Flashlight, bah tout d'abord j'ai dit cette chanson à ma grand-mère qui a toujours été là pour moi. Et voilà, c'est pour elle, donc quand j'ai entendu cette musique, j'ai beaucoup aimé et j'ai décidé de la dédier pour elle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson? Flashlight, c'est en anglais, c'est la lampe torche en fait. Et elle dit qu'elle peut pas continuer sans cette lampe là en fait. C'est personnalisé, genre la lampe c'est une personne. Et dans la vie t'as toujours besoin de cette petite lampe qui vient là pour t'éclairer. Et pour moi, bah, c'est ma grand-mère, voilà. En tout cas, c'est un très bel hommage que tu lui rends. On voyait pendant ta prestation que tu étais vraiment à fond dedans, que tu vivais la chanson. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que ça te fait? Bah, c'est comme si tu racontais pour moi, si je racontais ma propre histoire, voilà. Ça me touche personnellement parce que voilà, comme vous voyez, c'est assez voyant parce que c'est comme si je racontais ma propre vie. Et voilà, dans moi, bah, ça... Ça bouillonne quoi. Camélia, est-ce que tu as un rêve? Ah oui, comme toutes les chanteuses, hein. Genre voyager, faire des tournées, mais bon. On peut toujours rêver. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Continuer dans la musique, voilà. Essayer de faire quelques petites... en ce moment, je fais des vidéos et tout. Mais bon, on verra plus tard, quoi. T'aimerais faire des clips? Ah oui. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ce que je te propose, c'est de revoir ta prestation de la semaine. Tu es d'accord? D'accord. Camélia qui nous interprète Flashlight de Jessie J. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of things that I don't know. When tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I'll fall, stop and I won't fly. And I'll sing along. I got all I need when I got you and I. Look around me, you see a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me, turn the night. Kickstart my heart and shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me, turn the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight, 'cause you're my flashlight. I see the shadows long in the mountain stuff. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light away, you light away, you light away. I got all I need when I got you and I. I look around me, see you sweet. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me to the night. Kicks on my heart and shining in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me to the night. You're my flashlight, light, light. You're my flashlight.
suis maintenant en compagnie de Teva. Bonjour. Bonjour Chloé. Cette semaine, on a pu voir ta prestation, donc une incroyable performance. Merci beaucoup, c'est gentil. Tu nous as interprété une chanson de Jeff Buckley, Hallelujah. C'est bien ça. Tu l'as mis un petit peu, on va dire, à ta sauce. Tu as chanté en anglais, en français et en thaïsien. Tout à fait. En fait, à ma sauce, oui et non, dans le sens où ces paroles existent déjà. Ce sont des amis à moi qui ont fait la traduction. Et voilà, donc à ma sauce, dans le sens où oui, peut-être que c'est la première fois qu'on enregistre en tant que tel, quoi. Comment ça t'est venu cette idée de la chanter dans différentes langues ? Disons que j'aime beaucoup le partage et ce mélange des langues. Et voilà, donc tout naturellement en français parce que voilà, et puis surtout en thaïsien parce que on est un Tahiti et que j'aime beaucoup cette langue. Pourquoi avoir choisi cette chanson ? C'est une de mes chansons préférées. Et puis au niveau du découpage, ça se fait très bien. On peut commencer en anglais, poursuivre en français et terminer en thaïsien. Donc pour l'événement, c'était juste ce qu'il fallait. On a pu te voir dans la saison 2. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir nous voir dans Studio Live Session ? J'ai adoré déjà la saison 2, j'ai adoré comment ça s'est passé, tout simplement, tout naturellement. Donc avec un accueil génial avec toute l'équipe. Et puis voilà, on arrive, ça prend pas longtemps parce qu'on est bien accueillis et puis que la technique est bien faite. Et puis voilà, c'est facile. Et pourquoi pas une saison 3 et encore une saison 4 après. Tu as eu de bons retours concernant justement ta prestation précédente ? Énormément, énormément. Beaucoup de gens, d'amis à moi et puis de personnes en général étaient devant leur poste à ce moment-là. Et puis beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Donc que du bonheur et puis encore une fois, merci. On va revenir un peu, si tu le veux bien, sur ton parcours. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel âge tu as ? Alors, 37 ans déjà, hélas. Et bon restaurateur, parce que je tiens un restaurant du côté de Punavia. Mais surtout, à la base, chanteur dans le cœur. Hein. C'est, voilà, je me déplace beaucoup en ce moment sur le Japon, le Mexique. Un album qui devrait pas tarder à sortir. Hein. Et voilà, donc beaucoup de travail, beaucoup de choses et ma foi, pas de temps libre pour l'instant. Ce que je te propose, c'est de voir à nouveau ta prestation de la semaine. Tu es d'accord ? Avec grand plaisir. Merci en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté de venir dans l'émission. On regarde maintenant Teva qui nous chante Hallelujah de Jeff Buckley. Aurora, hoy te ataca.
Studio Live Session, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, sur Polynésie Première. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. On dit juste Teiva ou Teiva LC ? Teiva. Ouais, en fait, on s'est pas présenté. Et toi, c'est ? Chloé, on est intime, ça y est. Ça y est. On refait. On est des copains-copines. C'est qui la copine des deux, je sais. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour cette double d'alerte. Est-ce que tu as un rêve, Hilton ? Ok, qui ne s'est pas encore réalisé. Oh, c'est trop beau! Petit canaillon. Mais tu es là? Bon, on arrête, allez! C'est clair, mais il fait tout! Tu veux piquer mon boulot, c'est ça? Non, non!